Nous voici à Villeneuve-les-Avignon dans ce magnifique décor avec un magnifique chapiteau. Vous entendez la musique? Ça donne envie de danser. Et si on allait les rejoindre? C'est parti! Qu'il était craquant le violoniste. Bon, vous savez, je suis un peu magicienne à mes heures, donc devinez qui je vais faire apparaître en un claquement de doigts. Et le voilà, il est magnifique, n'est-ce pas? Alors, je vais l'interviewer. Qu'est-ce que ça fait de ne pas jouer du violon? Ça me rend extrêmement malheureux. Extrêmement malheureux. Toute ma vie, j'aurais aimé jouer du violon, mais j'ai jamais eu la patience d'apprendre. Et qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir joué sur scène ce soir? Ah, ça me rend aussi très très malheureux quand j'ai vu les violonistes de talent qui faisaient des galipettes en haut du mât, là, c'est extraordinaire. Et est-ce que ça vous rend malheureux de ne pas pouvoir faire des acrobaties comme lui? Eh oui, mais c'est un petit peu tard pour que je me mette à faire ce genre de choses, hein, parce que je risquerais de me briser les reins, non? Ah oui, vous êtes tellement jeune. Ouais, d'esprit bien sûr, mais ma carcasse, elle a un certain âge, hein, déjà. Bien, merci beaucoup, monsieur. Vous nous avez beaucoup éclairé. Et maintenant, je vais vous faire disparaître en un claquement de doigts. Vous êtes prêts? Attention. Et voilà, il est parti. C'était magnifique. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous laisser maintenant. Et je vais disparaître moi-même en un claquement de doigts. Mesdames et messieurs, si vous jouez pas, je vais faire apparaître Jérémy d'un claquement de doigts. Et le voilà! Et maintenant, nous allons faire apparaître la belle et l'unique Pocahontas en un claquement de doigts. Et voilà! Maintenant, nous allons faire apparaître le grand et le magnifique Baptiste en un claquement de doigts. Et voilà! Gros blanc! Disparaissez tous maintenant! Tous disparaître! Je sais pas, mais disparaître! 3! Attends, mais Baptiste, j'ai pas fait stop!